Journal de l'incidigraphie, du 1er novembre 1990 au 8 décembre 1990, préface recueil d'Hélème. Jeudi 1er novembre 1990, Hélème est l'abbaye de Gargantua, le lieu des beaux et des belles, bien formé, bien né, bien instruit, lieu de l'ordre, de la distinction, le passage, la sélection vers le bien-être, partie de l'idée de liberté, avec réalisme, les composants importants, il faut les trier, l'idée ne suffit pas, être conforme, espace conforme, conduit conforme, conforme et contrôlé. Vendredi 9 novembre 1990, renaissance, le mouvement, ne rien oublier, changement, la beauté, vérité, dictature, qu'est-ce que la poésie. Mercredi 14 novembre 1990, l'idée d'un passage donne peur et balancement, de bout en bout, dans ce lieu, se tendre vers une existence des plaisirs secondaires, prendre, s'attribuer, se réserver le luxe, le choix du canon, l'harmonie, recopier sous la porte interdit à, putsch, je recule devant l'irruption. Jeudi 15 novembre 1990, je ne gomme ni ne rature, par quels moyens, obtention, j'ai graphié, dans quel sens, pourquoi et ce qui reste, ce qui est, ce passage possible vers le beau défini, je ne le connais pas bien, décuplement sur moi, avec mon état aussi fer et temps de tous les jours. Dimanche 18 novembre 1990, la société du modèle, et comment je dessine, j'écris, je graphie, rétrogression, déchu du bas, mais absence de reproduction, on se dit, ils ne pourront pas imposer leur loi sur la terre entière, et pourtant, si. Mardi 20 novembre 1990, les beaux, les belles, la graphie acharnement, être bien en goût, choisir, passement, ruban, dentelle, peut-être ai-je ordonné moi aussi les plus belles lettres, les plus belles jambes, les beaux ronds, les lignes sans déborder, et c'est de ma barbarie qu'il s'agit. J'ai construit mon temps sélectif. Mercredi 21 novembre 1990, la bonne instruction. On m'a demandé de mettre le texte de l'origine à côté de l'incide graphe. Ils ont besoin de voir la prouesse technique, la métamorphose, l'incidence. Alors j'entre dans Télème. Quand je serai dedans, je ne verrai plus le dehors. Samedi 24 novembre 1990, j'ai écrit l'ombre de mes doigts sur la pointe de mon stylo au moment de tracer. Je n'ai, malgré ce handicap, pas changé de place. Table, cuisine, chaise entre la table et le buffet. Coin, place préparée pour manger. La pratique de la main amène le plaisir ou la douleur. Les yeux, les tribomètres, s'épuisent avec le rythme. Tout contre entre la pointe et le papier qui se frotte. Dimanche 25 novembre 1990, je me demande, écrivant Télème, si je devais témoigner sur. Mais il fallait que cela cesse. Pas les graphies que je forme, mais ma sûreté de la forme. Le beau barbare des Télémiens se conforte dans les supports technologiques aux allures de super finition platinée. Ce vendeur a une brillante platine, langage de l'empiètement. Mardi 27 novembre 1990, j'ai nettoyé, rincé, ma barbarie artistique. C'est de refléter une incarnation qui me veut, et ce monde du temple, vers mes lettres égales et belles. Mais je ne suis pas bien né, je me sens autour de Télème. Mercredi 28 novembre 1990, Panurge, je montre comment, avec un mouton, on imite le beau. L'idée du beau spirituel qui se parle, éloigne, loin de la réalité des sens, des organes, du sensible, de l'être. Jeudi 29 novembre 1990, sans texte primitif, l'objet est seul, saisi, surprise, et pris par l'écartement. Parmi ce choix, je me retrouve, persisté en dehors. Vendredi 30 novembre 1990, fais ce que voudra, empiéter sur Télème, décharné. Expliquer Télème, c'est y entrer ou en sortir ? Question de poétique. Jeudi 6 décembre 1990, troisième partie. Montaigne de bonne foi, enclenche un arrêt. J'ai résisté, contre la graphie. Six lignes noires, sur chaque support, sont la contradiction de la chair, le blanc de la page et l'os. Vendredi 7 septembre 1990, une espèce de barbarie, un trop de civilisation, polissée et raffinée, par saccade tolérée des battements d'interprétation. Je traîne hors d'eux, qui m'empêche de m'incliner et me supporte encore un peu. Samedi 8 décembre 1990, je suis l'os poétique visuel. Télème est un temple à détruire. Avec des os, on peut allumer un feu, dehors et dedans. J'erre encore un peu jusqu'à la fin. Vendredi 2 août 1991. En soi, le bien et le mal, le beau et le laid n'existent. C'est seulement par leur relation avec les intérêts que les événements, les actes, les choses prennent une valeur morale ou esthétique. Asgeir Jorn.